Les ventes du Prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. T'as vu avec quoi je cours le jour des grands jours? Avec ça. Et Eric, t'as vaincu le signe indien dans le Cornulier. Cette année, tu t'es pas trompé de monture. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça avait joué de malchance à plusieurs reprises. Mais j'ai toujours eu la chance de monter des chevaux de qualité. Bon, bah après, c'est les circonstances de course. Mais ouais, c'est vrai que ça fait plaisir d'aujourd'hui de repasser le peloton en tête dans une telle épreuve. On en revient à la course. C'est le déroulement dont tu rêvais ou pas? Tout à fait. Je savais, comme on le sait tous, on sait que les Cornuliers, c'est souvent rendement mené. Fallait que je sois là, mais pas trop là, donc me faire oublier. J'ai pu me ranger en quatrième rang à la corde. Après, j'ai pu me redécaler à deux gentiment. Et puis, voilà, elle a bien fait, quoi. À quel moment t'as senti que t'avais la course à ta merci? En entrant dans la ligne droite. Quand j'ai vu que Thiago Détang a baissé les carreaux, j'ai eu peur qu'il bondisse. Bah, le cheval, il court super. Hein. Mais la mienne a l'air de donner un bon coup de rein, comme on le sait, hein, c'est des juments fabuleux. Les 2 millions d'euros, c'est des juments de rêve, quoi. Et maintenant l'Amérique? Et maintenant l'Amérique. Quelle chance tu te vois dans l'Amérique avec elle? Comme elle est en forme, on peut être 4-5e. Sébastien, j'ai envie de dire que ton jockey l'a bien monté, mais que l'entraîneur l'a remarquablement préparé. T'as tout changé? On a tout changé, oui et non. On a un peu changé l'embouchure, ouais. Et puis sans quoi, Rick l'a bien monté, ouais, ça c'est sûr. Et la jument revenait bien dans le Prix de Bourgogne, elle a fait une super ligne droite. La dernière fois, on était un petit peu dans l'expectative, dans sa dernière course montée. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi? C'est-à-dire qu'on avait mis un bec de canne, c'est un peu fâché sur le mort, donc elle n'a pas fait de train, elle était un peu loin, un peu gênée. Et donc ensuite, impossible de revenir. Et elle n'était pas déférée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tout a changé. Est-ce que dans le style, elle te surprend ou finalement tu t'attendais à ça? La vraie Roxane, on savait qu'elle peut faire ça. Déjà gagner le Prix de Paris de cette façon-là, on va dire. Donc, quand elle a rien fait du parcours et pour faire les derniers 600 mètres, c'est une des juments la meilleure de Vincennes. Pratiquement, Redicash, quand elle était seconde du Prix d'Amérique il y a 2 ans, elle faisait un peu ça. Donc voilà. En classe d'attelage, sur le papier, quand on rentre bien la course, c'était avec Thiago Détang et Save the Cup, les 3 meilleurs de la course. La transition est toute faite. La semaine prochaine, c'est le Prix d'Amérique. Est-ce que gagner le Prix de Cornulier, c'est la meilleure des préparations? Je sais pas, j'avais jamais gagné le Prix d'Amérique pour le Cornulier, je veux dire, pour gagner le Prix d'Amérique. Mais en tout cas, la jument est super bien, elle soufflait pas après la course, donc on va faire le Prix d'Amérique sans prétention. Et puis elle a le droit d'être 4-5e et voir peut-être mieux, on sait jamais. Bon, Patrick, c'est une formidable surprise. Ouais, tout à fait, ça a toujours été un super cheval. Le problème de ces chevaux-là, quand vous courez un coup à réclamer, un peu comme Torrens Vezaké qui a dû gagner des groupes 2 ou quoi, on se rappelle que de la course à réclamer, on diminue la valeur des chevaux. Et il avait quand même gagné les 100 heures à 50 mètres, c'est pas n'importe quoi. Ferré en plus. Donc ça a toujours été un super cheval. Après, il faut des courses. Il est revenu plus tôt que prévu.
le fait de faire des quatre et puis le cheval, franchement, toute la semaine, j'ai pris tous les jours à la plage, comme vous avez pu voir d'ailleurs sur Bravo à vous pour le reportage, sur le reportage. Il était pris tous les jours, et franchement, le cheval, il a fait une super montante. Bon, bah, en tout cas, pour vous, le rêve continue avec lui. On fait quoi maintenant qu'on est troisième du Cornulier? Eh ben, on fait l'île de France et puis surtout, on savoure parce que le cheval, il a toujours été bon. Et puis, c'est pas facile de retrouver des bons chevaux et lui, on est en train de le retrouver, donc c'est génial. Bravo, merci. Content, forcément. À vous le coup, j'avais dit 5-6, ce serait super. Le petit regret, c'est qu'on n'a pas réussi à y mettre un nez à Taïga du Rib au poteau. Moi, en direct, je pensais qu'on l'avait fait. Et puis, 4 ou 5, c'est à peu près pareil, mais les sommes sont quand même grosses sur ces prix-là. Mais super, dans le cheval a fait sa valeur. Super boulot de tout le monde, de toute mon équipe. Hein. Faut pas oublier que c'est nous qui sommes sur le programme, mais il y a tout un monde derrière. Hein. Il y a tout le personnel, il y a le veto, il y a le maréchal, il y a tout ce monde-là. Faut féliciter tout cet entourage-là. Mon cheval a fait sa valeur. J'avais dit 5-6, il est à l'arrivée. Super. Tu as dû regarder que lui pendant le parcours. Pour toi, il n'y a pas de regret à avoir? Un petit, quand Santa Rosa France a fait la faute, il n'a pas été trop heureux, Mathieu est obligé de reprendre un petit peu. C'est les courses, hein, on ne court pas tout seul, bien sûr. Non, super content. Ah, oui, déçu parce que la jument n'a pas répondu présente. Je pense pas qu'elle était à son top. Peut-être qu'elle manquait un petit peu de fraîcheur. On a eu un bon parcours, tout, mais dès en montant, j'ai vu que j'étais battu, j'y ai jamais vraiment cru. Juste une question de fraîcheur pour toi, il lui a manqué que ça aujourd'hui? Je sais pas, je me pose la question comme son entourage. La vraie jument aurait été au minimum 3e, je pense. Et quand j'ai tiré les artifices, pas comme dans le Gilles Lemonnier, elle a pas du tout répondu. Et pas la vraie jument, je pense. Non, très déçu, si je peux sortir, j'ai gagné. Non, elle court super la jument. Entraînement, je fais illusion. Et puis on est 11 tout le parcours, donc elle demande à souffler. En plus, il nous manquait peut-être une course de préparation. Avec une course en plus et puis je sais pas quoi, on a arrêté dans le quintet. Elle a fait une grande performance. Une 11 en pleine, est-ce que c'était pas un petit peu vite? J'avais prévu de descendre vite. Donc 11, on a peut-être mieux 11,5, mais si on est 11,5, Singalo nous attaque à mi-montée, je pense. Donc j'avais prévu d'aller vite. J'ai fait la montée 14, donc pour moi, j'avais vraiment prévu ça. Et après, en haut de la montée, Singalo nous a attaqué, quand même, fallait s'en douter. Donc, c'était là où il nous a fait mal, je pense. Il lui a manqué quoi aujourd'hui à Ulysse? Il n'était peut-être pas encore assez endurci. C'est la première fois, les vrais bons des vieux. Ça va lui faire du bien, je pense. Après, pour vraiment la tactique de course, oui, c'est sûr, on a été un peu vite, mais je pense que si on va pas aussi vite en descendant, c'est Singalo qui vient nous forcer l'allure, donc ça change rien par rapport à ça, je pense pas. Louis, grosse déception avec Singalo? Ouais, forcément, on est forcément déçu d'être battu quand on a ces courses-là comme objectif. Qu'est-ce qui pour toi n'a pas marché aujourd'hui? Le cheval est peut-être moins bien que l'année dernière. On a été un petit peu embêté avec ses jambes. Il n'a pas la bonne course. Voilà, c'était pas le Singalo de l'année dernière. Est-ce qu'il va avoir l'occasion de se venger ces prochains jours? Ça me paraît compromis. J'ai pas envie d'abîmer le cheval. Donc il va sûrement prendre un petit peu de repos et rendez-vous en 2015. Adrien, sur Nalzan, c'était trop dur? Trop dur, oui. Après, il court pas si mal que ça. Il est un peu fatigué, il a fait une bonne carrière. Donc après, on affronte des chevaux qui sont beaucoup plus forts que nous à présent. Donc il fait sa valeur. Franck, vous avez parcouru avec Utoki? Bah ouais, ça s'est mal passé, j'étais bien parti, mais après il s'est dit sur place comme d'habitude. Quoi. Il n'a pas le niveau, hein. c'est trop dur pour lui. Antoine, verdict après la course? Bon, on n'est pas trop mal parti, et en descendant un petit problème d'allure, donc les commissaires m'ont distancé. Après, rentrée, elle n'était pas très souple, donc est-ce que c'est le fait d'être déféré? Je sais pas. Mais c'est dommage parce que j'avais du gaz. Quoi. On était 11 en bas, donc elle avait l'air de suivre facilement, mais pas dans la bonne cadence. Camille, qu'est-ce qui s'est passé au départ? La jument était beaucoup trop tendue, le défilé là, très tendu avec les bruits. Elle était vraiment très très nerveuse aujourd'hui. C'est une énorme déception, je suppose, parce que c'était une course pour elle quand on regarde le déroulement. Oui, tout à fait, il y a eu du train comme il lui faut. C'était sa dernière, donc évidemment, très très déçue.